La mission aujourd'hui, c'est d'aller visiter des plages, et notamment la plage qui m'intéresse depuis le début, c'est Bondi Beach. Aujourd'hui, je travaille pas, donc je vais prendre mon petit repas et puis je vais aller manger sur la plage. Et il y a un skatepark là-bas qui a l'air vraiment ouf, donc c'est parti. Bon, en fait j'ai calculé, j'en suis déjà à 60$ de transport, et en fait il n'existe pas d'abonnement illimité pour la carte de transport, du coup t'es obligé de la recharger tout le temps et ça coûte super cher, 60$ la semaine, t'imagines? Je viens de recharger de 40$, c'est un gouffre financier ce truc. Ça a l'air trop stylé. C'est trop beau, c'est trop beau. Juste ici, là, il y a le skatepark, donc on va aller le visiter. De ces crabes, ça me fait penser à des grosses migales. Sinon le surf ça donne trop envie, j'en avais fait une fois en Bretagne, mais bah, les vagues elles étaient vraiment pas ouf, et c'était juste une séance d'une heure. J'avais pas été super conquise par le surf, parce que je m'étais dit mais en fait c'est beaucoup plus cool de faire du skate, au moins la sensation elle s'arrête jamais, alors que là t'attends ta vague, tu prends la vague, ça dure 15 secondes et ensuite il y a tout qui s'arrête, tu vois. Mais finalement là, de voir des énormes vagues et de voir les surfeurs faire des figures, des machins, je me dis que ça peut être cool d'en faire ici, tu vois. Donc je vais peut-être en faire juste une fois, juste pour le fun, tu vois, et pour m'enlever ce souvenir un peu décevant de la Bretagne. Bon, je sais pas quoi faire, je pense que je vais rentrer parce que je commence à me sentir fatiguée. Demain je bosse. Et en vrai ici il y a que des boutiques souvenirs, des boutiques de fringues et tout, mais moi je peux pas dépenser, faut que je garde mon argent pour la caution. Donc je pense, je sais pas, je vais peut-être me poser un peu, regarder les vagues. En tout cas le skatepark de Bondi Beach il est cool, mais je préfère clairement le skatepark de Sydney Park. Si je m'achète un BMX, je roulerai à Sydney Park plutôt. Je vais rentrer dans un truc là, mais je sais pas où je suis en fait. Je suis dans cet endroit trop stylé, à côté de la plage. Il y avait un endroit avec des bouquins, j'ai trouvé cette BD là. Du coup je vais me poser là tranquillou. La flemme d'aller sur la plage, il y a trop de vent. J'ai pris ma fiche de paye avec moi et en fait je vais essayer de calculer concrètement combien je touche à l'heure net. Je suis payée environ 22$ de l'heure, donc c'est le SMIC, et en restauration t'es censée être payée beaucoup plus. Ou alors moi ils me payent moins que les autres, je sais pas. Donc je vais peut-être essayer de demander à un autre serveur combien il touche, comme ça j'aurai deux avis différents. Et si je vois que tout le monde touche 8000 sauf moi, bah en fait c'est que moi ils me sous-payent quoi. Donc, Et j'avoue qu'hier soir il y a un petit truc qui m'a saoulé au boulot en fait. Tu sais, au boulot on est tous en train de bosser non-stop, on est tout le temps en mouvement. Et en fait moi j'avais un doute parce que je faisais que 6 heures dans la journée et je voulais savoir si j'avais une pause, parce que quand tu fais 5 heures t'as zéro pause. Il y avait un collègue à côté de moi, moi j'étais en train d'essuyer un verre, lui il était en train d'essuyer des couverts, on était côte à côte, tu vois. Donc je lui dis, au fait, est-ce que tu sais c'est à partir de combien d'heures qu'on a une pause? Et là il me regarde et il fait, oula, bah alors là ça dépend de... Et d'un coup t'as la chef qui le coupe et qui fait, au lieu de parler, il y a d'autres trucs à faire là, parce que moi j'ai pas le temps, je sais pas quoi. Genre, lui pose une question par rapport au taf et la chef elle nous coupe.
En fait, elle l'a même pas laissé me répondre, quoi. Ça faisait un peu armé, quoi. J'ai pas aimé, tu vois, parce que moi, je bosse à fond, je cours partout, je fais des journées de 7 heures avec 10 minutes de pause, donc c'est quand même assez hard. Et qu'elle nous coupe, qu'elle nous casse comme ça, comme si on était en train de se marrer ou de fou, alors que je lui posais juste une question par rapport à l'organisation de la journée, bah j'avoue que ça m'a un peu, ça m'a même beaucoup déçu, tu vois. Et puis même le ton sur lequel elle l'a dit, genre on s'est fait engueuler, quoi. Genre comme si on était en primaire, et j'ai trouvé ça injuste comme situation, tu vois. Donc ouais, j'ai l'impression que cette histoire de taf, ça a un peu joué sur mon humeur, et du coup je suis, je sais pas, ça m'a un peu cassé le moral, tu vois. J'étais trop contente d'aller au taf, je me sentais trop bien dans ce boulot, et ce comportement là, j'ai pas compris, genre j'ai trouvé ça ingrat, tu vois, par rapport à toute l'énergie que je mets dans ce taf. Entre le truc de la chef et le salaire trop bas, je suis deg, quoi. Donc ouais, moral pas ouf là. Et puis peut-être que je suis fatiguée aussi parce que j'ai pas arrêté d'enchaîner là, donc je vais essayer de me reposer, de rester à l'auberge, de regarder des films, je sais pas. Je vais essayer de me reposer un peu. Bon, et ben je vais rentrer tranquillou et me reposer. Et puis je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Tchuss. Enfin, je viens de rentrer dans un magasin et j'ai pas fait gaffe, j'avais ma carte de bus dans les mains et elle a glissé sous un rayon, quoi, sous un truc, et c'était inaccessible, tu pouvais pas passer tes doigts. Et du coup le mec il m'a filé une brochure pour que je puisse essayer de sortir la carte, j'y arrivais pas. Et pour vous dire à quel point je suis fatiguée, genre je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit je viens de mettre 40$ ce matin dessus. Et là je perds 40$ alors que je suis déjà juste niveau argent, du coup j'étais en train de pleurer et tout. Et le mec du coup il a eu trop de la peine et il a tout fait pour essayer de la sortir. Il a fini par réussir à la sortir, j'étais trop contente et tout, genre je crois qu'il faut vraiment que je dorme, quoi, genre ça va plus là. Il y a Aldi en Australie. Histoire au bas d'une fantaisie.